Alors la Renault 5 va avoir l'absence de deux fonctions quand même primordiales dans une voiture électrique maintenant. Et je trouve que c'est pas normal. Parce que la 4L, par exemple, va les avoir, ces fonctionnalités-là, dès la sortie. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû attendre un petit peu de sortir la R5, pas se précipiter? C'est quand même dingue, cette histoire. Déjà dispo sur de nombreux véhicules électriques, le mode one pedal est un système de freinage qui utilise le frein moteur. Ainsi, le conducteur n'a besoin que de toucher la pédale de l'accélérateur pour accélérer ou décélérer, permettant ainsi la voiture de s'immobiliser sans action sur la pédale de frein, sauf en cas d'urgence, évidemment. Ce système peut dérouter certains conducteurs, mais il peut être désactivé si besoin. En tout cas, la R5 E-Tech n'en sera pourvue que dans quelques mois. Les modèles déjà vendus ne pourront certainement pas en bénéficier dans une prochaine mise à jour. Le mode One Pedal n'est pas uniquement une question d'électronique ou de programmation. Elle nécessite des réglages et une batterie capable de réagir de manière adaptée. Autre élément qui n'est pas présent sur les modèles déjà vendus, les palettes de régène. D'autres modèles comme la Mégane, même le Scénic, il est là aussi, je crois. Et même la 4L, là, au final. Donc pour moi, déjà, il y a un problème avec ça. On ne comprend pas pourquoi toutes ces deux choses-là, qui sont des trucs de base, et surtout qui sont sur d'autres véhicules de Renault, pourquoi ils sont pas sur la R5 en fait? Quelle est la justification de ça? Franchement, c'est incompréhensible. Là, il y a un problème. Hein. Bah du coup, en fait, tous les acheteurs de la R5 qui vont l'acheter et qui vont se précipiter pour l'avoir dès fin 2024, là, bah, et dans quelques mois, dans 6 mois, elle sera déjà dépassée, leur voiture. Et pour la revendre, c'est pas terrible. Hein. S'ils veulent la revendre dans 1 an ou 2, bah ils vont en perdre sur le marché de l'occasion. Parce qu'elle n'aura pas ces deux fonctionnalités que les autres R5 auront. Bah voilà, bah super. Donc en vrai, attendez. Si vous voulez la R5, attendez de l'avoir avant de la commander. Parce que vous allez être déçu sinon. Ouais, ciao.